Bonjour, bonsoir. Santé à tous, le gouvernement sont des reptiles. Santé à tous. Mais non. Coucou. Bonsoir. Avec qui dab? Même si Macron ne le veut pas. Mais Yann qui est parti. Il est parti manifester. On a à minuit 36. Les jaunes, lui, les jaunes. On n'est pas là. Vous pensez quoi de Montagny, premier cru, champ foiseau, domaine vigneur et fils, terroir d'exception des moines? C'est de la merde. J'ai repéré un petit cru, les fièvres du coteau. Regardez ton vocal, c'est un vrai vin. Le vin de mer. C'est un philosophe. Non, il n'y a pas de musique sur Tour de France. Hein. Comment je fais pour regarder le code? Le code, c'est le code. Quelqu'un veut m'envoyer le code par MP? Non. Ça devrait presque faire BDSM dans le... Il y a une chicha, Matos. C'est qui les astérisques? C'est moi. Oula. Bidlo, c'est bon? Ouais, j'ai terminé, c'est bon. Ah, c'est bon, t'as terminé, c'est parti. Allez, allez, allez. Oh non, faut en parler. Ah oui, maintenant, faut le présenter. Mec, Oh non. Ah, mais t'as... C'est métalliquant. Tu vois, ça, c'est le problème. C'est pour ça que je vous propose un autre tour de droite. Galette précieuse. Non mais j'ai rien à présenter en fait, parce que bah, tout est dans le truc, tu vois, c'est, un... c'est pour ses parents retraités, mec. Super prank. Ça a l'air trop bien. Bah bravo le TG. Ah, il vous le présente. Bien, messieurs, écoutez-moi. Vous savez que en ces temps de grève, c'est compliqué de visiter la Tour Eiffel, surtout quand on n'est pas à Paris. J'ai donc imaginé un nouveau système de déplacement autour de la Tour, qui permettra de faire non seulement gagner du temps et du coup réduire les files d'attente, mais en plus, faire en sorte que ça aille plus vite pour tout le monde. C'est une technologie qui s'appelle le long jump, qui consiste en un système de trampoline qu'on met en bas de la Tour Eiffel, autour des quatre pôles, et sur lesquels les gens se jettent pour aller jusqu'en haut, jusqu'à chaque étage. Et il faut savoir que selon la tension du trampoline, les gens peuvent aller de plus en plus haut. On pourra mettre aussi un système de plongeoir pour gagner en altitude. Tout à fait. Le long jump, moins de fatigue, plus de plaisir. Ah, bravo, bravo. Pete Lubama. C'est vrai que on a toujours un peu cette envie d'aller aux toilettes au pire moment de la vie en fait, parce que peut-être le stress, peut-être le manque de confiance en nos capacités à retenir notre pisse. Tout ça pour vous présenter mon invention. C'est tout simplement une ceinture que l'on accroche avec un petit réservoir très classieux. Vous l'avez en plusieurs coloris, en noir, en blanc, qui peut aller avec vos smoking ou vos robes de mariée, et qui se fond naturellement avec votre habit. Et c'est le pisse-partout. Avec le pisse-partout, aux événements importants, n'oubliez pas votre sac à pipi. Et bah GG. Voilà. Ah, miode. Ah. I will present. Ok. C'est embarrassant quand même de niquer des mères. On peut pas toujours, on peut pas toujours cacher notre tension de toujours vouloir tout exploser en permanence. Mais c'est pourquoi j'ai développé une idée dans ma tête, un truc fabuleux. Ça s'appelle le nôtre crâne. C'est très facile. Alors. Oh non. Oh non. Il suffit de se dégoter une petite cathédrale de bonne facture, de se défouler avec une petite allumette pour le coup que vous y trouviez une petite planche de bois dans le coin. Mais si vous avez un peu de chance aussi, vous pouvez empêcher un certain président de faire une petite allocution cramer une mère épargnée. Voilà, comme ça on laisse les mères tranquilles. C'est de la chance de tomber sur l'orange. Aïe 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 aïe, c'est la descente aux enfers. Ah les gens de grande taille sont trop de grande taille. Le problème c'est que forcément voilà, ils prennent trop de place, ils bouchent un peu la vue, c'est dommage. On sait pas où les mettre. À quoi se résume leur utilité? Eh bien moi, j'ai une solution pour eux. Devenez un immeuble. C'est-à-dire qu'au moins là, au moins, vous êtes parfaitement encadré dans la vie citoyenne. Sociabilité bien plus améliorée. Fondez-vous dans le décor. Enfin, je sais pas, là au moins... Bah, c'est vrai que sur le croquis, j'arrive pas à discerner l'immeuble du personnage. Ah, on est d'accord. Question, comment tu rentres dans la personne qui... Non, ça on verra plus tard. Ouais, genre, je pense que tu voulais savoir s'il y a aussi... Il y a la version féminine. Voilà, oui, d'accord, ok, très bien. Ravin. Comment d'expliquer ça? Ici, le robot waf. En fait, c'est comme le Doc Hunt pour un robot. Ah, il fait le boom paf. Le robot waf. Allez, c'est parti, Fujo. Fais vite, ça, c'est en train de présenter à ta place. Merde, mais moi, je vois rien. Putain. J'en peux pas. C'est trop bouffé, le compte de bouffe compte chaque bouchée. Ça referme ta bouche. Quand t'as trop mangé, tu as ça compte qui est bouché. Ah. Financé. Partout, il est financé. Ah bah le pisse partout, s'il vous plaît. Alors bien évidemment. Finance la nôtre crâne. Énorme succès. Tu finances un truc qui va être recramé derrière. Ouais, j'ai quand même gagné de l'argent. Hein. Comment on dessine? Une vraie question ça.
Je vais faire quand même un petit commentaire. C'est la croix larme 6000. Il meurt pas, prie. Quand c'est l'heure de prier, bah ça fait une alarme, comme ça, ça te réveille. Écoutez, mesdames et messieurs, ce problème nous attend un peu tous. On tombe de sommeil, on commence à piquer du nez, tourner de l'œil, hein, ce genre de choses absolument négatives, quand l'heure est venue de prier. Hein, prier à notre Dieu, que ce soit un seul ou plusieurs dieux, il n'y a aucun problème. En tout cas, la prière reste une problématique quand il est quand même 1h13 du mat. Eh bien, je vous présente, mesdames et messieurs, le Wololo Réveil. C'est un principe extrêmement simple. Un prêtre vient chez vous à n'importe quelle heure, va vous crier Wololo. Et comme ça, vous pouvez totalement vous réveiller et vous préparer à la prière. Convertissez votre sommeil en foi. On s'endort forcément quand on prie, parce que tout le monde s'endort, parce que c'est ennuyeux, parce que la prière c'est de la merde et la religion c'est de la merde. Devenez athéiste. Il y a qu'une façon de le démontrer le plus clairement possible. Voilà, ça ressemble à ça. Devenez athéiste et nique le Christ. Ouais, j'ai fini. Du coup, il rentabilise sa première invention grâce à la seconde. Bravo, c'est ingénieux. C'est la même ligne de produit, en fait. Alors, ça arrive très souvent de se retrouver à vouloir dormir lorsque c'est l'heure de honorer son Dieu. Et vous savez, avec les méthodes technologiques actuelles, ce qu'on peut maintenant, ce que la race humaine a pu faire, c'est savoir déléguer. Alors, voilà ce que je propose. Une sorte de robot qui permet de se tourner vers les lumières du Tout-Puissant afin de prier en votre nom pendant que vous dormez. Je l'appellerai le Dorimec 3000. Et mon slogan, qui malheureusement a mal été imprimé sur mon papier, un sommeil garanti et une place au paradis. Bien joué. Il a des roues. Bon, alors mec, c'est très simple. C'est que moi, tu vois, j'ai pensé à l'envers. Tu te dis, si t'as envie de dormir, bah c'est très simple. J'ai inventé quelque chose qui va régler le problème facilement. Dormir. Mais si t'es fatigué, tu vas pas te forcer à prier, il faut dormir. T'es comme ça dans ton lit, mec. Comme tu peux voir, il y a écrit RIP, ça veut dire rest in pieux. Hier, repose-toi dans ton lit, tu vois. Donc c'est religieux. Donc en vrai, c'est worse. Hein. Si t'es fatigué, bah dors. Voilà. Zéro invention en vrai. Du coup, là, tu nous demandes de financer le sommeil en fait. Ouais. Moi, c'est plus efficace que l'homéopathie. Prier ne plus. Ah, mais c'est radical. Et deviens plus proche. Là, tu peux plus joindre tes mains. Alors, moi, j'aimerais en fait être investi dans la prière, mais sauf que non, je dors. Du coup, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, c'est simple, c'est le Popfest. C'est en fait un festival qu'on réalise dans les églises pour empêcher en fait aux croyants du monde entier de dormir. Comme ça, on peut réciter tous les chants tout en gardant les gens éveillés. Parce que c'est vrai que c'est un problème que beaucoup de cardinaux sont venus me voir et me demander « Ouais, pourquoi les gens dorment ?» Parce qu'il n'y a pas assez de musique. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est l'alliance inédite entre le pape et le rap. Putain, voilà. Ah bravo, ah bravo. Je vais voir la line-up. Incroyable. C'est le pape rap. Ah merde. Ah, on a senti le DLC un peu rusher. Oh, ah oui, ah merci. Oui, le Wololo réveil, c'était un grand succès. Oh, le Wololo. Ah oui, incroyable Popfest. Grand succès. Ouais, ça commence demain. Ah ouais, j'ai gagné. Bravo Biglow, grâce au Popfest. Biglow peut maintenant se casser avec l'argent. On a toujours un peu faim, on a toujours un peu envie d'aller vers l'appel du gras, un bon gros burger gras, ça donne quand même vachement envie, mais c'est cher, c'est pas très bon pour la santé, et c'est quand même assez galère à assumer après sur le plan de la santé. Voilà donc ce que je propose, c'est que plutôt que de bouffer un gros burger bien gras, le mieux c'est encore de faire un putain de bain de Saint-Denis. Parce que prendre un bain de Saint-Denis, déjà, ça prend plusieurs avantages. Déjà, c'est très bon pour la peau. Et autant vous dire qu'avec l'odeur du bain, vous allez plus avoir faim pendant une semaine. Du coup, non seulement vous avez une meilleure peau grâce au bienfait du gras, mais en plus, vous éviterez de bouffer, vous irez bouffer une salade comme un être civilisé. Les bienfaits du gras, sans le tracas. Oh oui, bravo, bravo. Ah, les slogans qui riment, ça, c'est un point bonus pour moi. J'ai envie de crever à chaque fois que j'en écris un. Alors, la pire partie de bosser, c'est de bosser pour des gros cons. Laisse-moi deviner, tu vas la cramer ton... Non, j'ai trouvé plus subtil, le Patronax 2000. Il s'agit tout simplement d'un médicament à ingérer, qui coûte, bon, un petit peu cher, mais... une fois ingéré, vous sentirez venir des envies de patronat et de supériorité sur vos employés au petit prix de 2 kilos 4 fois par jour. C'est quoi à gauche, hein? C'est un personnage avec des grands yeux. Ah oui, d'accord, les points noirs, c'est les yeux. Ok. Attends, en plus, c'est la couleur jaune. On t'y chie les yeux. Mais en quoi cela consiste?
Non. Bon bah maintenant c'est un stream de droite. Macron va être fier de nos actions maintenant. Ah bah là. Ah bah tiens justement, on a bien vu à l'instant que les gilets jaunes représentent un problème pour la France. Parce qu'en fait ce que je veux faire moi c'est vivre comme le président Macron. Mais j'ai envie de vous dire pourquoi vivre comme le président Macron alors qu'on peut vivre comme Macron premier, comme voilà, comme en Macronie, n'est-ce pas? C'est pour ça que je me suis fait faire, je me suis fait tirer le portrait. Et comment arriver en fait à ça? C'est simple, il faut rétablir les privilèges de l'oligarchie. T'as plus en plus de droite à ce stream. C'est ce que j'allais dire. Mon nouveau blason, en fait, c'est une fleur de lys sur un gilet jaune. Je propose même qu'on refasse le drapeau français en jaune avec des fleurs de lys. Projet. Alors, vous savez, certains dans la vie ont certains problèmes familiaux avec leur papa, mais certains ont des problèmes familiaux avec le papa Noël. Ils n'arrivent pas à dormir à côté de ce papa Noël. Donc moi, j'ai la solution qui s'appelle la cheminée de Noël. Non, ouais. Mais quel est le principe de la cheminée de Noël? Eh bien, il faut s'occuper du problème à la source. Oh non. Oh, oh non. Pour un Noël sans père et sans cadeau. De toute manière, j'ai pas été sage. Bravo, bravo, bravo. Mesdames et messieurs, moi, comme énormément de gens dans le monde, j'ai beaucoup de difficultés à grimper mes espoirs, à essayer de les gravir, à réussir à me hisser jusqu'au bout. C'est quelque chose qui nous tire un peu tous vers le bas quelque part. Et pour les gravir, je vous propose de vous étirer. C'est-à-dire que si vous prenez le problème à la racine, normalement... Un petit effort et je vous jure ça passe. Ça a mis du temps à comprendre le dessin. C'est une jambe. C'est une jambe. Mal à la gorge. Ah c'est ça le problème? Oui, est-ce que tu as quelque chose? Alors, ça arrive, on parle à des gens, on est en public, on a une présentation à faire, juste on est dehors, on parle. On est anxieux parfois, on n'a pas trop envie de parler et les intestins nous font savoir et là on pète. Alors... Du coup, comment faire quand on pète? J'ai inventé quelque chose dont j'ai oublié le nom, mais qui va bientôt apparaître. C'est la pétanque. C'est un mélange de détente et de pété. Voilà, simplement. C'est pas quelque chose de révolutionnaire dans le sens où on n'utilise pas des technologies du futur, hein. C'est tout simple. Hein. En fait, tout simplement, c'est un petit dispositif qu'on met au niveau des fesses. Et dès qu'on est anxieux et qu'on parle à des gens, ça va s'activer tout seul. Ce qui fait que si jamais on pète, bah, ça va endormir tout le monde. Et du coup, on n'aura plus à s'inquiéter des gens à qui on parle parce qu'il n'y aura plus personne pour nous écouter. Si on pourra continuer à parler, on sera plus anxieux. Pour vendre ça, je peux vous dire que, bah, péter, c'est gagné. C'est gagné. Putain, fait, ouais. Putain, je vais tout péter, là. Oh non, mais j'ai... Putain, je l'ai... Non, le bain de Saint-Doux. Je me demande où est passé tout l'argent. C'est François Fillon. Oh là 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 là, la cheminée. J'étais pas confiant du tout. Ah, j'aurais pensé, moi, merci. Franchement, je prends ça pour une victoire. Ça aussi, franchement, ça a été un succès. Ah oui, bravo, bravo. J'ai mal aux fesses. Mesdames et messieurs, nous allons tous essayer d'empêcher une piscine de mouiller. Allez. Ah merde. Allez, on va. Alors, mesdames et messieurs, votre piscine, vous aurez l'occasion de le remarquer. Elle mouille. Écoutez-moi bien jusqu'au bout. Je sais que ça va être difficile à croire. Je sais que ça va peut-être être un peu dérangeant, un peu choquant, mais éteignez votre télé. Quoi qu'elle ait pu regarder dessus, ça n'était de toute évidence pas très recommandable. Allez, salut. Ah ok, j'ai compris. Oh putain, d'accord. Grosse éponge. Ah la taille de l'éponge. Il n'existe plus. Ah mais yod. Alors est-ce qu'on crame la... piscine? Eh bien écoute, mon cher Jean, oh, ça non. Tombe bien. Je vous présente la piscine de magma. En vrai, de toute façon, elle sera sèche. Tout a séché, donc à vos risques et périls. Si ça vous fait plaisir de plonger là-dedans, pourquoi pas. J'ai trouvé une solution, elle sera plus mouillée, elle sera plus trempée. Bon, c'est une petite invention de ma part, quoi, en tout cas. La piscine de magma, bah, c'est mieux. Mieux que le cinéma. Tout pour la rime, rien pour le rapport, hein, ça par contre. Exactement. Bravo, bravo. Bien, apparemment, les gens ont des problèmes de piscine qui deviendraient trop mouillés. Bah écoutez, moi j'ai inventé tout simplement le sèche-piscine. C'est un truc que tu branches qui te permet de sécher ta piscine. C'est un putain de chelou. Bon bah la piscine bah, elle est mouillée par un petit temps, l'eau quoi, ça mouille, alors le gros parasol là... Ça marche. Oh bordel. Ma piscine est mouillée, voilà, l'eau ça mouille tout le monde. Ça. Moi je propose de brûler la piscine. Voilà. Et donc vous pouvez chiller avec votre ami poisson dans votre piscine, avec le chauffe-marin, un feu sec, une piscine impeccable. Oh oui, voilà. Bravo, bravo, bravo. Putain le nom qu'on avance. Alors certains se plaignent que leur piscine est mouillée. Et ben c'est peut-être parce qu'elle est remplie, connard. Et du coup. Moi j'ai la solution, le peuple est bouché.
pour une piscine aussi vite que les émotions de Carlo. Oh oui, bravo. Ah non, il y a trop de bons trucs, je ne peux choisir. Ah, 100 dollars, non. Allez, yes. Le sèche piscine incroyable. La présentation y était pour beaucoup. Yes. Ah, bravo Jean. Oui. Incroyable. Bravo à tous parce que franchement. Moi c'est vraiment la présentation qui sort. Ah oui non, t'avais juste un sèche-cheveux, mais t'as un talent vraiment pour présenter des sèche-cheveux, c'est juste. Je vais. Bon, j'imagine qu'on passe peut-être à un autre petit jeu.